Bonjour, on est de retour sur Visage. J'espère que vous allez bien. J'ai un peu modifié les contrastes, luminosité, tout ça, donc là c'est un peu plus proche de ce que je vois. Bon, ça reste un peu plus lumineux, mais bon. C'est-à-dire que c'est le seuil tolérable, quoi. Par contre, on entend clairement un truc, hein. On entend une chaise ou un truc comme ça. Non, mais qu'est-ce. Non, il n'y a pas de. Calme-toi! Pas y accéder par là. Ah, il y a un truc là. Quelque chose se déplace et fait du bruit au grenier. Sans déconner. Et ça fait des trous dans le mur aussi. Suis pas rassuré. Qu'est-ce s'est passé un truc, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Tranquille. Quoi? Quoi? Ah yes. C'est mon safe spot. C'est... hein. Attendez. Copain ou pas copain? Copain? Peut-être. Non mais rallumer les lumières là! Ouais, mais là, il y a la lumière, là, c'est bien. Je sais pas si on voulait que j'aille là. Je sais pas où il est parti, moi, après. Je peux pas ramasser. Oui, non, mais parce que je suis plein. Non, mais enlève le symbole, là, en bas, là. Ça me plaît pas, le symbole, là. Bon, allons par là. Je sais pas pourquoi, mais... bah. Simplement, on veut que j'aille par là. Allô? Quoi ces bruits? J'aime pas quand ça clignote, moi. Je suis désolé, mais non. Ah là, il n'y avait pas des briquets ou un truc comme ça. Il me semble soit des briquets, soit des comprimés, des ampoules. Ni l'un ni l'autre. Du coup, je peux y aller quand ça clignote? Ça craint pas? Bon, ça y était pas avant. En tout cas, on peut dire qu'on l'a eu dans l'œil, quoi. Après, ça ressemblait pas trop à la femme qu'on avait vue, hein. Mais bon. Vous avez trouvé un long crochet. Ah bah super, on a ce qu'il nous faut pour... C'est trop calme. C'est trop calme. J'aime pas ça. On a ce qu'il nous faut pour aller au grenier. C'est par où le meilleur chemin pour aller au grenier? D'accord, c'est juste la porte qui s'est refermée derrière moi, mais... On va se mettre bien là, on va se mettre au calme ici, tranquille. J'ai pas envie de repasser par le couloir de la mort là. Je vais voir un chemin plus simple. Je sais pas, il me fout le stress ce couloir de merde. Les mots sont dits. Après, tout est allumé, tout a l'air d'aller bien. Hein. Non, mais il faut que je monte, hein, j'imagine. Est-ce que j'ai envie de monter? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc, mais je sais pas quoi. Ok.
Non mais tout va bien. Oui, bon, la porte elle va se fermer, c'est ça. Poignée est hors d'atteinte. Non mais utilise ton machin. Ah ouais, alors non. Yes. La la la. Ah mais il y a des... Attendez, on se met tranquille. Des poupées russes là. Non? Ça compte pas? Elle compte pas celle-là? C'est des vrais. Eh bien montons là-dedans. Truc c'est que j'ai envie de fouiller moi en même temps. Oui, je suis passé clavier d'ailleurs, j'avoue que on était manette. Un petit smiley. Super. Ah bah voilà, on a trouvé ce qu'on cherchait. Alors attendez, il y a quoi là? Il y a des glitches des fois des glitches visuels là, ça me plaît pas sur les côtés. Oui. Soleil et thé sont écrits sur la boîte, elle est verrouillée. Là, il y a le visage du démon. Ok. C'est la chambre, ça? Bon bah va là-dedans. Alors c'est la chambre, mais elle a changé la chambre. Interagir. Semble manquer des morceaux. Mais c'est le visage du démon. Non mais... D'accord. C'était avec ça qu'il fallait interagir. C'est ouvrir, rien n'indique quelle clé est nécessaire. Ouais, j'ai une clé sur moi, hein, mais... Non, il y a des tableaux. Ok. Y a pas qu'un seul tableau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, y a une suite de nombres. 5, 0, 3, 7, 3. Ah bah oui, attendez, on peut peut-être mieux le voir ici. Ouais, 5, 0, 3, 7, 3, je crois. Ok. Objet clé utilisable un nombre indéfini de fois, peut être reposé dans le monde du jeu, observez attentivement ce qui vous entoure pour découvrir où. Oui. Non mais, je veux pas que tu te déplaces en même temps. Trouver une cassette audio. Souvenir de Georges. Georges. Il y a un symbole musical sur la boîte, elle est verrouillée. Un miroir où moi je me reflète pas, mais les briquets oui. Sans manquer quelque chose. Ok, voilà, on est en plein phase d'énigme là. Visiblement. Il a l'air de manquer des trucs là. J'imagine des hochets ou un truc dans le genre. Après, je peux faire des trucs. C'est le socle d'un moniteur pour bébé. Non, mais il y a plein de trucs. Il y a trop de trucs. Bon, après, qu'est-ce qui se passe si je regarde là? Le mal. Et là? Quel est l'intérêt de cette pièce? Parce qu'il y a une porte là. La porte là, elle est censée être là-bas. Ok. Elle est bizarre d'un point de vue existentiel, cette pièce, quand même. Un truc en dessous. Ok. Alors bon, on pouvait utiliser la cassette, normalement. Oui, on utilise la cassette. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Pas mal. I don't know
to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. 50373. Key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a la suite de nos numéros? Peut-être que la porte est ouverte maintenant qu'on a écouté le truc. Donc, bah, la fameuse Dolores qui a sombré dans la démence. Et George, qui doit être sûrement son mari. Qui s'est retrouvé un peu du père, étrangement. À cause de la situation. Mais non, mais on s'en fout. Ah, mais attends. J'ai trouvé une pantoufle. Ah, et en mettant la pantoufle. Ouvrir l'inventaire. Paf, je mets la pantoufle sur le lit. Il s'est passé quelque chose. On aurait dit un bruit de clé. Mais elle est où la clé? Je veux la clé. C'est soit une clé, soit du verre cassé. Oui, non, mais bon, d'accord, c'est encore la boîte à musique là. Ah, mais oui, c'est le miroir qui s'est cassé. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bah d'accord, la porte s'est ouverte. Oui, non, mais bon. Ok. Donc du coup, il faudra qu'on retourne dans cette pièce après. Yes. Je veux pas perturber mon perso. J'ai vu qu'il avait pas eu de symbole. Je me suis dit que bon... Pas dans l'obscurité, là, je suis en face d'une source de lumière, tu te fous de ma gueule. Ça a pas l'air d'enlever la tache rouge, ouais. Hein. Bon, allez, vas-y, ok, on y va. J'ai compris, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance. J'ai pas envie, mais... Non, mais en fait, je m'en vais. Non, j'ai plus envie d'avancer, en fait. Non, non, en fait, je rigolais. Alors, comment on prend les comprimés? Ah, j'aurais peut-être pas dû en prendre un deuxième, parce que mon cerveau, il commençait à vraiment disparaître complètement. Mais bon, au moins, là, je pense que je suis calmé. Alors, à quoi elle ressemble, la chambre, là? C'est toujours le même bail. 50373. Mais tout a l'air d'aller bien. Il était cassé ce miroir tout à l'heure. Sûrement. Je crois qu'il était déjà. Oui, si, sûrement. Ah, mais il y a un truc là. Faut aller dans la mélasse. Ouais, dans la mélasse. Visiblement, c'est par là. Hein. J'ai l'impression qu'on m'indique d'aller dans une direction bien précise. Non, mais suivons la mélasse, mais... Ah! Je vous présente la porte de Silent Hill 4. J'ai beaucoup pensé à ça. Elle est grillée, l'ampoule? Il faut que je prenne une ampoule neuve. Ah ouais, elle fonctionne super bien l'ampoule. Hein. Quelle ampoule de merde. Bon, je suis les traces de sang, hein, la pire idée évidemment, mais c'est Outlast. Outlast m'a appris ça. Évidemment, c'était un jeu plein de sagesse. Après, du coup, je pourrais aller de l'autre côté de la porte. Hein. C'est peut-être plus rassurant d'aller de l'autre côté de la porte plutôt que de suivre les conseils d'Outlast, qui était sûrement un des jeux... les plus terribles du monde. Ah, ouais. Ouais. La grosse ambiance, hein. Vraiment, je rentre là-dedans, moi, tranquille. Je me dis que c'est une bonne idée. Oui, bah oui. Bien
sûr. Suivons le cordon. Descendons le cordon. D'accord. Ok. Non, je pense que c'était un peu buggé au niveau de l'interface. Là, ça me fait penser. C'est à du Resident Evil. 7. Dans le bateau. D'accord. Ouais. Non mais j'y vois rien là. Ah, d'accord. Ok. Une salle au miroir. Ah. Super. Ça on adore. Ah mais il y a un truc là. Non pas du tout, c'est le reflet des miroirs. Ah. Ah, ça. Ouais, quand tu vois le truc, c'est pas mal, hein. Ah, mais y a plus d'espace, là. Super. On va continuer de tourner autour des miroirs, hein. Visiblement, ça a l'air de bien marcher, hein. Ouais, non, mais... Ouais. Je vois, j'ai vu, hein. Super. On va continuer de tourner, hein. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de miroirs, aussi, mais ça doit être un effet de... d'optique. Je me dis qu'à un moment donné, en fait, je vais me retourner, il y aura vraiment un truc. Je peux pas courir, de toute façon. Je vais continuer de faire ça. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je vais continuer de faire ça. D'accord. Ou c'est sûrement juste le miroir qui est tombé. Sûrement ça, qui s'est passé. Mais du coup, bon... Je préférerais continuer de tourner. Ouf. Respiration. Inspiration. Ok. Super. Allô? Ah. Bring me my child. Bonjour Dolores. La femme vous a demandé de lui apporter son enfant. D'accord. On va peut-être pas aller la voir du coup, qu'on n'a pas l'enfant. C'est obligé d'être aussi sombre? Ah, mais parce qu'en vrai, c'est une porte, je vois pas ce qu'il y a là, même avec le retour. Donc. Oh, c'est sombre, c'est si sombre. Bon là, au moins, on y voit mieux. J'ai cru voir un truc, mais... D'accord. Donc je peux passer dans les miroirs. Ce qui sonne comme ça, mais... Mais si, ça doit être ma voiture. Une grosse lumière. Bah oui. C'est ma voiture. Prends ça, là. Non, mais... Je sais bien qu'il y aurait un truc à faire avec la voiture, à un moment donné. Comment elle est rentrée là-dedans? Enfin, non, elle est rentrée, et ensuite, on l'a... Ouais. Est-ce que vous pensez que l'impact est... moins grand qu'une pièce de 2 euros. Je suis pas sûr là. Hein. Oh, c'est une sacrée pièce de 2 euros.
Est-ce qu'on va pouvoir taper des ennemis? Non. Bah non. Comment on dit tais-toi? Voilà. D'accord. Ah, si, peut-être. Ah. Ah. Et... Ah, elle est dégueulasse cette voiture aussi. Ah, si, je peux prendre la masse. Il faut vos deux mains pour accomplir cette action. Ah, merde. Bon, j'ai quand même une masse. Je vais porter cet objet à deux mains pour l'utiliser. Peut-être que j'utilise là-dessus. Bon, du coup, il faudrait que je lâche un truc. Et paf! Ah. Bon, il veut pas taper la voiture. J'ai peut-être pas trop envie d'aller la voir. Je sais pas. Peut-être que j'y aille. Madame? Attention, j'ai une hache, hein. Non, enfin, c'est pas une hache, mais... Non mais en fait, genre, j'ai pris tellement de tarifs au niveau de ma santé mentale que je suis en mode, c'est pas une bonne idée. Non, il faut que je fasse un truc avec ça, avec la masse, mais je sais pas, j'ai pas une indication. Ouais, bon, parce que je l'ai pas là-dessus. Non mais on va s'en aller. On va dire que c'est pas par là. Mais non, mais c'est bon, j'ai compris qu'il y avait personne là. Hein. y a personne. Ah, ah, je t'avais pas vu. MDR. C'est pas trop une façon de s'inviter chez les gens par contre. Par contre, pourquoi là c'est fermé? Alors que je peux très bien faire le tour. Bon, allons ici. En vrai, bon, ok, la télé, elle fait un peu peur, mais... Mais en vrai... En vrai, on est bien dans cette pièce. J'ai pas... Non, j'ai pas de VHS. Si je mets la barre de chocolat, non, bah non. Il y a un miroir, là. Du coup, je dois pouvoir passer dedans. Je voulais aller dans la cuisine, moi, avant, parce que comme elle est fermée... Enfin, j'ai une des portes qui est fermée. Mais non, mais... Ouais. Je me dis qu'il y a peut-être un truc qui s'y passe. On verra ça après. On verra le miroir après, on va aller dans la cuisine. Mais il y a plein de portes qui sont ouvertes. Pourquoi il y a plein de trucs, plein d'accès auxquels j'ai pas le droit d'aller? C'est quand même bizarre, je sais pas pourquoi je peux pas y aller ici. Mais j'imagine qu'il y a une raison. Hein. Mais bon. Ok, bon, le miroir. On peut faire ça. Sept ans de malheur. Mais... Non mais lâche, c'est bon. Non mais lâche. Prends l'objet à deux mains. Non mais... Y a un truc, c'est pas possible. Ah. Ah mais y a, quoi, il y avait un ordre. Ah, il faut... D'accord. Alors... Ok, on est reparti pour une énigme. Ah, si je veux, je peux remonter à tout moment. Donc peut-être que je suis pas censé le faire ça maintenant.
Je suis censé avoir un indice. Ouais. Bon, admettons. Admettons qu'il puisse être trop tôt. Il faudrait donc que je trouve des miroirs. Ok, bon, il va falloir comprendre toutes les énigmes et tout. Ça a l'air stylé en tout cas. Paf! Ah bah non. Ah, lui c'est le miroir originel. Ça doit être ça. Ah mais attendez. Ce tableau là, on le voit. Parce que là, on voit ce tableau. Ouais. Mais ça me donne pas vraiment d'indice sur... sur l'ordre des tableaux en bas. Je sais pas si je suis déjà allé dans cet endroit. Dans cette chambre là. Qu'il y avait Winnie l'ourson à prendre. Si c'est allumé là. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? On sait jamais, hein, y a peut-être des trucs intéressants. Il y a peut-être un miroir. John et moi. Le panda tout pas sympa. Non mais c'est pas un panda, lui c'était un ours, mais c'est pas grave, le panda il est là. Des jouets pour enfants quoi. Finalement des trucs assez classiques qu'on peut trouver dans une chambre pour enfants. Bon à part cette chose affreuse. Des bougies peuvent être placées ici. Ouais mais j'ai pas de bougie. Pas moyen de l'ouvrir. Ok. Y a rien l'air d'avoir d'intéressant dans la chambre de la gamine. En tout cas, pas pour l'instant. J'imagine que ça prendra plus d'importance dans une autre partie du jeu. Ça, il y a ça aussi. Ah bah, il y a un miroir. Paf! Ah! Bonjour. J'imagine que c'est Georges. Enchanté. Enchanté, Georges. Moi, c'est Blue. La main, on sait faire maintenant quelque chose, il est impossible de prendre l'objet pour l'instant. J'ai obtenu une poche de je sais pas quoi. De sang, j'imagine. Un seul couteau semble avoir été enlevé. Super. Ouais. Super. Il va falloir que je trouve un moyen de lui faire desserrer sa main. D'accord. Serrurier, rien n'indique quelle clé est nécessaire. Je peux encore utiliser ça, ouais, mais je peux remonter. Oui, je peux remonter à l'étage, je crois. C'est bien, mais. Alors, si j'ai eu ça. Examiner. On dirait une poche de transfusion injection. Mais injection de quoi? Tu t'es injecté quoi, gros? Donc là, on y allait, là, on y allait. Là, on y allait. Toujours ce rideau de douche, là, qui se ferme. Hein. Ah, mais il y a un miroir, là. Vu. Faut juste, je vérifie, hein, mais... Après, il pourrait y avoir un truc en haut. On va aller en haut. Avant d'aller voir le miroir, on va aller en haut. Faisons le traumatisme d'abord. Ah mais ça me sert à rien en fait. Elle était flippante la photo en vrai. En vrai, elle fait flipper la photo. Ah, mais peut-être que je peux casser ça. Je sais pas. Je me suis dit que je pouvais avoir peut-être un sourire gratuitement, quoi. Tant pis. Bon, bah, y'a rien en haut, au moins. Au moins, on sait. Oh, y'a un miroir là aussi. D'accord. Ça casse. Hein? C'est chiant.
Oh non, mais en plus, oh. Bon, d'accord, j'ai compris. Je vais commencer par. On va commencer par se calmer. Et je vais commencer par ce miroir. Ça va. Là, ça va se casser. Je me retourne pas. Je me retourne pas. Je me retourne pas. C'est mort. C'est mort. Mais tu vas le casser? C'était sûr qu'il y avait un truc derrière moi. Voilà. C'était hors de question que je me retourne. Ah, le dessin. Ah oui, le dessin, oui, bien sûr, le dessin. Oui, évidemment, le dessin. Ouais. Vous avez trouvé un effrayant poème. Dans un rêve éternel, une lune à deux faces, à la vue nébuleuse, se tient innocemment près de l'ombre coupable. Alors, une. Ah, oui, d'accord. Une lune à deux faces, à la vue nébuleuse, avec une vision. D'accord, donc. Devant, en face de la lune. Ça doit être pour les tableaux, ça. En face de la lune. T'as un truc avec des nuages et elle se tient près de l'ombre coupable. J'aime pas cet arrêt de bruit là. Oh. Non mais c'est pas. Ah. Elle est pas sympa cette ambiance. Je me sens pas serein dans cette ambiance quoi. Je pense que c'est un peu le but hein. Mais. Il faut avouer que ça marche très bien. Une manivelle. Le problème, c'est qu'à côté, j'y vois rien, quoi. Putain, mais ce silence-là, silence qui est pas rassurant du tout. Il y a un truc à faire. Enfin, oui, évidemment, mais j'imagine qu'il y a un truc pour actionner tous les mécanismes pour que tous les corps se pendent définitivement. Ou arrêtent de se pendre, peut-être que c'est ça. D'accord. Tac. Ouais. Et la lumière fut. Ok. Pour l'instant, on n'a pas encore vidé les briquets, mais bon. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais, non, donc il faut que je fasse un autre truc. Peut-être enlever la manivelle pour essayer de soulever celui-là, du coup. Après, il y en a peut-être un dont le dessin semble signifier quelque chose. Peut-être ça, en fait, la douille. Il manque la manivelle. Non, mais il manque la manivelle partout, en fait. Sauf à un endroit où je l'ai mis, sauf que j'ai peur que ce soit celui où c'est cassé, quoi. Mais non, mais je l'ai pas mis là. Mais non, mais j'ai encore la manivelle. D'accord. On va tout ouvrir. Hein. J'imagine qu'il y a un ordre, mais. Ah, c'est peut-être par rapport à ça, l'énigme, en fait. Je me suis embrancé pour les tableaux, alors que peut-être pas du tout. On va tout ouvrir, on va tout allumer, et ensuite on verra. Voilà, tout baigne dans la lumière maintenant. Toute façon, dans tous les cas, lui, on pourrait pas le fermer parce que c'est cassé. Voilà. Maintenant, allons voir. Allons voir en bas s'il se passe quelque chose de bien. Donc lui, il représente rien du tout. Lui, il est pas dans la lumière. Ah, lui, c'est un œil. Ok. Une lune. Bon, bah ok, d'accord. Un papillon. Une ombre.
Lui, c'est rien du tout. Bon, c'était quoi l'énigme? Une lune à deux faces à la vue nébuleuse se tient innocemment près de l'ombre coupable. Lune à deux faces, rêve nébuleux, ombre coupable. Donc ça, non. Ça, non. Alors attendez, est-ce que la lune... La lune, elle était là. Donc, la lune, oui. Donc on va tout faire, on va tout refermer. Sauf la lune. Bon, l'œil, on s'en fout. Après, c'est le problème, c'est le nébuleux. Ombre, ça oui. Ah mais elle est en face, la lune, elle est en face d'un... Ouais, peut-être de ça du coup, parce que ça représente rien. Donc on va essayer de pas fermer celui-là. Celui-là. Et l'ombre, elle est en face, je crois. Dans le coin, il me semble. On va essayer de tout fermer sauf ça. Moi, j'aurais fait ça comme ça. Après, on peut peut-être déplacer ça pour qu'il n'y ait pas de lumière. Ouais, non. Après, je sais pas. En fait, le problème, c'est... C'est l'ombre, c'est la nébuleuse. Ouais, déjà, on va vérifier que l'ombre, elle était bien là. Et pas là-bas, il me semble. Ouais, ça, c'est une ombre. Donc, on va relire. Dans un rêve éternel, une lune à deux faces. Alors, par contre, j'ai vu qu'une seule lune. Elle a vu nébuleuse. Se tient innocemment près de l'ombre coupable. Le truc, c'est que là, on est d'accord que ça, c'est un papillon, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est un crâne, donc c'est pas trop ça. Enfin, la lune, elle est là-bas, quoi. La vue nébuleuse. Alors, peut-être qu'il faut que je mette l'œil parce que c'est une vue nébuleuse. On va peut-être... On va enlever celui-là, parce que lui, il représente rien. Limite, j'ai envie de mettre l'œil pour... parce que la vue... Oui, bah visiblement, il se passe quelque chose, oui. Ok, donc c'était ça. Je me sens pas rassuré. Hein. Sachant qu'on va pas tarder à s'arrêter, parce que je sais pas en combien de temps ça fera pour vous avec tous les montages et tout. Sachant qu'en plus, il y aura eu des phases énigmes. Mais ça commence à faire un petit moment que je tourne, donc... Et en plus, j'ai pas sauvegardé, comme d'hab. Ok, allons là-dedans. J'ai l'impression que je peux légèrement accélérer, en fait, quand j'appuie sur Maj. Mais si c'est le cas, c'est léger, hein. Encore plus sombre la prochaine fois. Oh, la pendule de chat. Je suis où là? What the fuck? Votre briquet est presque vide. Ah merde. Ah, le briquet est vide, super, bon bah... tac, je lâche. Mais j'ai un nouveau briquet? Attendez, hein. Ah ouais. Ah non, en fait, c'est bon. Ok. Je voulais tenter quand même. Je sais pas où je suis du coup, parce que je connaissais pas cette salle-là.
Et ces bruits super, super... Ah, ta 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 ta! Ah ouais! Et je peux pas sauvegarder toujours? Oh putain. M'en vais, hein. Pourquoi y a plus de bruit? Je préférais quand il y avait du bruit. Je suis pas dans l'obscurité là, je suis en face d'une télé. Ça marche pas la télé? Là au moment où j'ouvre le truc, non, c'est bon. Il y a un truc là. Ok. Je vois un peu mon cerveau quand même. Clé du local électrique. Ah, mais je l'ai ça. Ok. Phonographe, vous en servir pour jouer de la musique. Une poupée. Non mais quoi? Qu'est-ce qui... Oh, non mais en fait, ouais, t'aimes pas la lumière de la télé, quoi. Ou alors peut-être que ça la perturbe, ça le perturbe. C'est possible, hein. Moi je me dis c'est de la lumière, donc ça se prend, mais... Je peux toujours pas sauvegarder? Ok. Une ampoule. Ah ouais, plein de... Plein de trucs. Tout plein de trucs. Ah ouais. Vraiment tout plein de stuff. Ok, du lore. Vous pouvez pas placer cet objet. Comment ça, je peux pas placer cet objet? Laundry room, basement, living room. La chapelle. On a une chapelle? Ah ouais, d'accord. Mais il y a une bougie là. Les bougies sont des sources lumineuses fixes pouvant être allumées avec un briquet. Ok. Elles durent longtemps et améliorent la santé mentale de votre personnage. C'est bien ça. Ça, du coup, c'est bien. Quoi, quoi, gnien? Mais non, pas gnien. Ah. Ah merde. On a survécu. Ah, ça y est, je peux sauvegarder. Incroyable. Le tabouret est maintenant placé dans la pièce de stockage. Pièce de stockage. C'est quoi la pièce de stockage? Attendez. Storage. C'est où? Master bedroom, bathroom, basement. Basement? Peut-être. Bon, bah super. En tout cas, ça a été déplacé au bon endroit, j'imagine. Ok, bah écoutez. Ah, mais il y a un miroir là! Je comprends pourquoi on l'emmerde autant. Super. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein, ça commence à faire un moment que moi je tourne. Et comme on a pas mal de phases d'énigmes, il faut que je reste dans le truc. Donc, bon, enfin.
Je sais pas combien de temps du tout ça va faire pour vous. Je sais pas si ça va être long ou pas. Je vais essayer quand même de vous montrer un peu les étapes de mon raisonnement et les quelques failles qu'on peut avoir. Après, est-ce que je peux... Non, je peux pas contrôler au compte-goutte ces trucs-là. En tout cas, on a accès ici. Voilà, ça a l'air d'être une salle où il y a 12 milliards de trucs. Hein. Et ça fait plaisir. Par contre, je peux pas faire ça, et oui, puisque là, du coup, je suis full. Faudrait que je pose des cachets. Mais bon. En fait, je me dis que les cachets, c'est super important si on veut qu'il nous arrive rien. Pour l'instant, ça va. Mais après, je sais pas du tout si on n'avance pas, genre, à un rythme, genre, nul. C'est possible aussi. Mais ça, bon, bah, j'ai envie de vous dire, c'est... Au moins, l'avantage de ce format, c'est que ça vous permettra d'avoir un truc. Si on n'avance pas beaucoup, au moins, les vidéos seront courtes. Voilà. Prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye.